Dans la foulée de la R1250GS et en attendant l'arrivée de l'ensemble des R, RS et GS Adventure, BMW lance une GT équipée de son tout nouveau boxeur à distribution variable, la R1250 RT 2019. Bon bah déjà en termes de position de conduite, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire une moto plutôt confortable. C'est-à-dire qu'en fait, on a le dos relativement droit, les bras un petit peu plus bas que si on était sur une GS par exemple. En revanche, la selle est forcément un petit peu plus basse, mais alors qu'est-ce qu'elle est large, c'est impressionnant. On est assis sur un gros pouf, c'est effectivement hyper confortable. Alors c'est un petit peu large quand même à l'arcade, ce qui fait que ça éloigne un petit peu les pieds du sol. Mais enfin, on touche quand même assez facilement. Disons qu'il faut pas se louper au moment où on pose pied à terre. Et d'ailleurs, tiens, c'est même marrant, maintenant qu'on en parle, c'est vrai que même manœuvrer à basse vitesse, c'est assez facile. Si il faut reculer, bah finalement, on s'en sort plutôt bien. Elle semble beaucoup plus légère qu'elle ne l'est en réalité, cette moto. On croit comme ça que ça va être difficile, mais pas tellement. Et ça, c'est la force en fait des motos qui ont un centre de gravité très très bas. Et donc c'est très agréable, très rassurant quoi. Et c'est pareil en registre de ce qui rassure, le freinage, impressionnant, on plante l'avant comme on veut et pourtant c'est hyper dosable, on freine d'un doigt. Le frein arrière en revanche pourrait décrocher un petit peu plus vite, et encore que, c'est peut-être parce que j'avais les pneus froids tout à l'heure. Puis c'est marrant, il y a le Hill Start Control, je suis un petit peu en côte et bah, ça tient tout seul, j'ai rien à faire, c'est juste quand, voilà, quand je passe la première, hop, on sent que les freins se libère et que je peux avancer. Ça c'est top hein, quand même. En revanche, ce qui est pas hyper rassurant, c'est la largeur de la moto à l'avant. Alors ça c'est protecteur, on peut pas dire le contraire. Mais qu'est-ce que ça peut être large là au niveau des rétroviseurs. Alors ça passe effectivement sous ceux des voitures, etc. Mais enfin quand même. Et puis ça n'empêche pas qu'au niveau des genoux, là, la protection évidemment est excellente. Ça dépasse vraiment de chaque côté, il faut quand même être prudent. Et puis là j'ai les valises, alors là n'en parlons pas, hein. Là ça devient un petit peu touchy quand même. Alors c'est comme tout, une fois qu'on a pris l'habitude, on l'a dans l'œil et ça passe tout seul entre les voitures, hein. Ça c'est clair, si toutefois on est pris dans un bouchon, on s'en sort quand même, mais on s'en sort moins qu'avec une petite fluette, ça c'est sûr. Hop là, ah, les petits dodanes, c'est complètement effacé quoi, hein. C'est impressionnant. En fait, bon là je suis en mode road, fatalement en mode road c'est extrêmement souple, voire même peut-être un petit peu trop souple à mon goût. Bah, j'ai tendance moi à mettre un petit peu plus souvent en dynamique pour avoir plus de raideur quoi. Parce que sinon je trouve qu'elle rebondit un petit peu trop voilà, à mon goût quoi. Bon alors après ça les goûts et les couleurs. On comprend bien que c'est une moto beaucoup plus facile à prendre en main qu'il n'y paraît, mais c'était déjà le cas de la 1200. En revanche, comme son nom l'indique, la R1250 RT traîne un nouveau bicylindre BMW ShiftCam, doté de série de deux modes de conduite, Rain et Road. Alors le moteur, quand on le met en mode road, bon, il est nettement plus doux. Je pourrais même le mettre en mode rain là, pour être franc en ce moment.
Je le fais pas parce que je trouve qu'il est déjà bien assez doux comme ça quand on est en mode road. Alors en revanche, quand on se met en mode dynamique, là c'est vraiment, c'est tout autre chose quand même. Hein. Là c'est vraiment ça pulse quoi. Et on retrouve ce que j'avais découvert moi sur le moteur de la R1250 GS, c'est-à-dire quelque chose d'assez péchu avec un couple vraiment très important, très agréable quoi. C'est-à-dire là, j'ai l'impression d'être pratiquement sur un gros scooter de temps en temps, tellement on n'a pas besoin en fait de rétrograder. Bon, tout ça, ça appartient presque au passé avec ce genre de moto. On se cale sur une vitesse et puis on laisse redescendre. Voilà, si je me mets, je sais pas, tiens, je vais redescendre un petit peu. Voilà, je me mets à 2000 tours, je rattaque en 3, ça tracte. J'ai même pas senti la moindre vibration et ça pousse quoi. Donc. C'est effectivement, ça c'est un vrai plus sur ce genre de moto parce que voilà, c'est la simplicité, c'est la facilité, on n'est pas sans arrêt en train de rétrograder. Même si là en l'occurrence, il y a un shifter up and down là, sur celle dont je dispose pour cet essai. Et qui, alors étonnamment, vous savez à quel point j'aime pas forcément les shifters sur les motos BM, je trouve qu'ils sont souvent brutaux. Là étonnamment sur celle-là, alors est-ce que c'est une question de poids, je sais pas, mais je trouve que le shifter sur cette RT fonctionne très bien. C'est pas trop brutal quand on monte et encore moins quand on descend. Bon, il y a un truc que je trouve un petit peu dommage quand même, c'est on est sur la 1250. Sur les 1250 GS maintenant, il y a l'écran TFT qui est de série. Là, c'est pas le cas. Alors bon, je peux comprendre que ça a été compliqué parce qu'ils n'ont pas tout changé sur la moto au niveau design et tout, mais j'aurais bien aimé voir arriver un écran TFT, moi, comme il y a sur les GS en l'occurrence. Je trouve que là, sur une sorte de vaisseau amiral comme ça de la marque, ça manque un petit peu quoi. Bon bref, la ville c'est sympa, mais je vais fermer mon écran parce que sinon vous risquez de plus m'entendre. Très clairement, on sent quand même que c'est une moto qui est faite pour avaler des kilomètres, prendre l'autoroute, tracer. Et là, je peux vous dire qu'elle excelle à ce jeu-là parce que oh là, la protection là, qu'on pressentait déjà tout à l'heure en ville, bon là, évidemment, c'est juste incroyable quoi. C'est-à-dire, je sens quasiment rien là au niveau des jambes, du buste. Je suis hyper bien protégé. En revanche, vous voyez, un petit pare-brise électrique, voilà, si je le baisse, c'est là qu'on se rend compte quand même de l'intérêt du pare-brise électrique. C'est facile à utiliser. Quand il fait chaud ou en ville, bah, on peut le baisser. Mais quand il fait froid, qu'il pleut, ou qu'on commence à rouler à plus de 100-110 km/h, bah, fatalement, le vent, ça finit par être un peu usant. Et là, bah, je sens plus rien du tout, quoi. Et je me demande même d'ailleurs si les rétroviseurs, les enceintes et tout ça là qui sont autour du tableau de bord, ça joue pas aussi un rôle intéressant dans la protection, notamment au niveau des mains, parce qu'il n'y a pas de protège-main, hein, évidemment, sur une moto comme celle-là. Là, j'en ai vraiment pas besoin du tout, quoi. Comme quoi, la protection est bien faite. Bon, il y a des petits déflecteurs un petit peu partout. Franchement, je suis bien. Puis bon, poignée chauffante, selle chauffante. Même quand il fait très froid, qu'il pleut, que c'est désagréable le possible de rouler, et ben c'est pas désagréable, enfin c'est un petit peu moins désagréable quand on est sur une moto comme ça, ça c'est sûr. Et ce sentiment de sécurité quand même qui prédomine quand on attaque une petite courbe et tout, c'est d'une stabilité, c'est incroyable. Ah puis vous savez, cette débauche de chevaux et de couple, on pourrait penser que c'est trop, mais au final c'est quand même une moto qui est lourde. On va souvent rouler avec un passager, peut-être des bagages. On est bien content d'avoir du couple, d'avoir de la reprise, d'avoir de la puissance s'il faut. Non, au contraire, hein, là, franchement, ça les mérite. Hein. Si la R1250 RT semble avoir de quoi ravir tous les amateurs de belles GT, elle ne s'adresse malheureusement pas à toutes les bourses. En effet, BMW la propose à partir de 19 700 €. Une facture qui peut grimper au-delà des 25 000 € si l'on opte pour tous les packs d'équipements et autres accessoires présents sur notre modèle d'essai et qui lui confèrent une grande partie de ses charmes.